skip dans la cuisine. Skip, 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 skip. Moi, je trouve que le pouvoir doit être géré avec beaucoup d'humilité. Ouais. Le pouvoir, c'est un outil qui permet d'accompagner, pas d'asservir. Moi, je ne crois pas dans le pouvoir qui est une forme d'asservissement. Je crois dans le pouvoir qui est là pour servir celui auquel tu proposes ta pédagogie. Mais il a répondu rapidement. Je me suis payé une honte nationale. Ouais, ça fait du bien. Et en même temps, je trouve que s'apesantir sur ce qui est une douleur, c'est jamais très bon pour aujourd'hui ou pour demain. Fait que je l'ai vraiment fait. D'ailleurs, tu vois la pochette du livre, tu vois tout à l'intérieur, tout est festif, oui. Tout est joyeux. Parce que... fuck la peine. The show must go on. Si t'as pas adressé ta douleur, toi, ouais. Par toi, pour guérir, quand cette relation qui était le placebo, qui était la guérison du moment, se dissout, il y a fort à parier que cette blessure viendra te remordre le visage. C'est un plaster. Moi, le discours de la blessure... Parler à travers une blessure. Oui, je le reconnais, je le connais. T'es vraiment une reine, Christelle. Pour moi, tu fais partie des grandes découvertes hein, qu'on fait dans la vie lorsqu'on rencontre quelqu'un. Puis, il a l'air là, assis tout seul dans un coin. Puis, je pourrais pas imaginer, tu sais. Puis finalement, tu découvres ce qui se cache derrière cette pudeur, derrière cette délicatesse, derrière cette gentillesse. C'est une immense... Non, je me corrige. Se souvenir toujours de comment tu voudrais qu'on te dise les choses pour ensuite les formuler. Okay. T'aimerais-tu ça qu'on te dise, toi, c'est très mauvais? Ouais. Appuyer sur quoi? T'sais, parfois, j'ai un peu de tac au tac, t'sais, sur... oui, je suis fière de moi. Puis moi, je me souviens avoir répondu à Mathieu, pas moi. Mais j'ai pas fait... ben moi, je trouve que t'étais poche. Non, je comprends. Ça existe pas, tu peux pas dire... Mais tu restes ouverte quand tu fais ça, quand même, parce que... Ben parce que pour moi, ça ouvre la discussion.